jamais vu un mec aussi fort à 10 ans, frérot. Il a un pisse contrôle de malade, il a des clips de fou. Vraiment, je pensais pas que les gens ils étaient aussi forts à 10 ans. Wesh, attends, attends, attends. Ça, c'est l'enfant de 11 ans qui joue. Et wesh, les mecs, c'est Natoux. Aujourd'hui, les gars, nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans cette vidéo, comme vous aurez pu le voir au titre à la miniature, on va tout simplement réagir aux meilleurs joueurs Fortnite de 10 ans. Vous allez voir, les gars, je suis vraiment tombé sur des pépites, des enfants de 10 ans qui étaient extrêmement chauds, qui tapaient des quadruples edits, des clips de fou comme des joueurs pro, les gars. En tout cas, si jamais vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais faire une partie 2 d'ailleurs si jamais vous aimez le concept. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me soutient énormément. Merci à tous ceux qui le font, les gars, vous êtes des boss. Bien sûr, les gars, il y aura un mot caché dans la vidéo. Et tous ceux qui le trouvent, les gars, mettez-le en commentaire, comme ça je retiens les vrais. Merci à tous ceux qui le font, les gars, vous êtes des boss. Merci à vous êtes des vrais. Et puis voilà, moi sur ce, les gars, je vous embête pas plus. Je vous laisse avec la vidéo. C'était Natoux et bonne vidéo, les mecs. Ok les gars, on est directement parti. Donc pour le premier enfant de 10 ans, regardez déjà toutes les recherches que j'ai fait. J'ai tapé en anglais, en français, le meilleur joueur Fortnite de 10 ans, le meilleur highlight qu'on peut voir. Et j'ai trouvé vraiment des pépites, donc on passe directement au premier. C'est parti. Alors du coup, lui, j'ai tapé highlight Fortnite 10 ans en anglais. Et je suis tombé sur lui en premier. C'est-à-dire que normalement, il a 10 ans. Mais c'est pas sûr vu qu'il l'a pas écrit quelque part. Mais c'est pas grave. On va quand même regarder les gars et on va voir s'il est vraiment fort ou pas pour un enfant de 10 ans. C'est parti. Déjà, on peut voir c'est une musique française alors que c'est en anglais. Parce que quand il fait des kills, c'est écrit en anglais. Et puis tous ses titres et tout, c'est en anglais. En tout cas, le frérot, il est vraiment chaud. J'ai jamais vu un mec aussi fort à 10 ans, frérot. Je sais pas c'est en quoi. Regardez, il a 8500 points. Sauf que c'est pas écrit comme nous, les points d'arène. Et il a un niveau de fou. Par contre, je suis choqué. Il a un pisse contrôle de malade. Il a des clips de fou. Vraiment, je pensais pas que les gens ils étaient aussi forts à 10 ans. Mais c'est dire que regardez, dites-vous que lui, là, wesh, c'est quoi ce clip? Ok, les gars, c'est déjà fini. Mais dites-vous juste que lui, quand Fortnite s'est sorti, il avait 5 ans, frérot. À 5 ans, moi, je joue encore à la DS. Lui, à 5 ans, ça se trouve, il avait déjà commencer le jeu. Bon, du coup, les gars, on est directement parti avec le deuxième. C'est parti. Ok, les gars, pour le deuxième enfant de 10 ans. Donc là, regardez dans le titre, il y a écrit que c'est un enfant de 11 ans. C'est pas 10 ans, mais après, il y en a pas 100 000 des enfants de 10 ans. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Donc là, on va voir un highlight de il y a 2 ans d'un enfant de 11 ans. On est directement parti. Faut pas s'attendre à des clips de fou, les gars, parce que oubliez pas que c'était quand même il y a 2 ans. Ça date un petit peu. Mais il se débrouille pas mal, frérot. Triple edit, full box. Ok. Pareil pour le montage, les gars, faut pas trop juger. Ça date d'il y a super longtemps. Mais par contre, il est ultra chaud. Regardez, on peut entendre sa voix. Ouais, il a vraiment 11 ans, le frérot. Là, on peut vraiment entendre à sa voix. Il a vraiment une voix de petit enfant, quoi. Mais il se débrouille quand même pas mal. Tu vois, c'est pas un joueur pro de 11 ans. Mais frérot, il y a 2 ans, c'était quand même bien ce qu'il fait des double edits, full box et tout. Il est chaud, il est chaud. En plus, il joue en zone wars et tout. Ça se voit, c'est un mec un petit peu tryhard et tout. Regardez, il va Stark Industries, quoi. C'était des malades qu'elle est là-bas. Et surtout, les gars, il se débrouille vraiment pas mal. Parce que dites-vous qu'à 10 ans, moi, je joue encore à la DS3D. Lui, il arrive à faire des triple edits et tout, des clips sur Fortnite. Moi, il y a 2 ans, je vous jure que des clips comme ça, j'arrivais pas à les faire. Après, lui, il a déjà un PC à 10 ans, donc bon, il est bien avantagé. Moi, à 10 ans, frérot, j'avais pas de PC. En tout cas, il se débrouille pas mal. Voilà, on peut voir que c'est pas le meilleur joueur du monde, mais il se débrouille pas mal. Je sais pas si on va trouver des gens qui étaient plus forts que le premier. Parce que les gars, le premier était vraiment chaud. Je sais pas si quelqu'un va pouvoir le dépasser dans cette vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si jamais vous pensez qu'il y a un enfant de 10 ans qui est plus fort que ceux que je suis en train de vous présenter. Comme ça, on pourra peut-être faire une partie 2 avec des meilleurs enfants de 10 ans. Le highlight, il est bientôt fini, mais en tout cas, il est constant, quoi. Il fait de l'arène, il fait de la box fight, il fait de la réalistique, la moving zone, il fait vraiment tout. Son highlight est carré, hein. Pour un highlight d'il y a 2 ans, vraiment, il se débrouille pas mal. Donc gros GG à toi, même si c'est pas un français. Bon, on peut lui poser un petit pouce bleu parce que c'est vraiment carré. Et on va passer directement au prochain. C'est parti. Ok les gars, on est directement parti sur le prochain. Donc là c'est WiiWiiFTN. Je pense qu'il y a plein de gens qui le connaissaient. Il avait déjà 10 000 abonnés je crois l'année dernière. Lui il a pas 10 ans, je crois qu'il a 12 ans ou 13, je sais pas. Mais ça se rapproche. Comme je vous ai dit, des enfants de 10 ans il n'a pas 100 000. Du coup on va directement voir. Il me semble que WiiWii il est vraiment vraiment chaud les gars. Donc on va regarder ça tout de suite. Ouais les gars, c'est pas le même niveau. Je pense que WiiWii il peut être plus fort que le premier, je sais pas. Mais ils ont tous les deux des clips de fou malade. Après le premier était vraiment chaud aussi. Le highlight était vraiment propre en plus. Il y a des bons clips. Par contre je crois qu'il a la sensibilité, enfin les résolutions de Martose. Du coup pour les clips c'est pas incroyable. Mais il y a des clips où c'est carré quoi, il l'a pas. Et en plus il fait des cups, de l'arène, il fait du réalistique. Il fait vraiment tout, c'est pareil, c'est super constant. Et surtout frérot il est super chaud. Parce que regardez les embots qu'il met. Il se débrouille super bien, les edits et tout. C'est vraiment propre. Donc petit changement de musique. Hop la petite strat il y a 2 mois là. Il est vraiment chaud, oui oui en vrai.
je pensais pas qu'il y avait des enfants qui étaient si petits et qui étaient si chauds. La plupart du temps, les enfants, ils sont meilleurs aux jeux vidéo parce que ils ont une meilleure intelligence de jeu, ils sont plus rapides, ils ont des meilleures mécaniques parce que leur cerveau, il est plus rapide. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, j'espère que vous comprenez. En tout cas, oui, très très chaud, frérot, je te mets un petit pouce bleu. Franchement, pour des enfants, les gars, dites-vous que c'est vraiment incroyable de rentrer des clips comme ça. Même moi, bon, je suis pas joueur pro, mais dites-vous que j'arrive même pas à rentrer ces clips alors que je joue 3-4 fois par semaine et je joue depuis 5 ans. Eux, ils sont là, ils ont 10 ans. Ça se trouve, le jeu, il était même pas sorti quand ils étaient nés, frérot. Ils sont déjà en train de taper des quadruples edits. Donc, gros GG à eux. On passe directement au prochain. Ok, les gars, pour le prochain, je viens de tout simplement trouver un enfant de 11 ans, encore une fois. Donc, on est directement parti. C'était il y a un an, c'est-à-dire que là, actuellement, il a 12 ans. Mais du coup, vu que le highlight, il date d'il y a un an, les gars, faut juger aussi de la date. Parce que ça se trouve, à tout moment, il a fait un x10 en niveau. Il est meilleur que nous tous là, actuellement. Donc, là, on juge pas, les gars. Le niveau, le highlight, ça sera normal. On est directement parti. Petite intro, tranquille. C'est la team F8. Et le montage est propre. Déjà, pour un montage d'il y a un an, c'est propre. On va voir si l'enfant de 11 ans, il se débrouille bien. On est directement parti. Déjà, il y a des petites cinématiques et tout. C'est propre. Wesh, attends. Ça, c'est l'enfant de 11 ans qui joue. 21 000 points en arène. Il n'y a pas école, hein. La tête d'homme, le clip de fou. Oh, la dinguerie, frère. Non, il est trop fort. Mec, il a 21 000 points. C'est-à-dire, déjà, lui, il connaît pas trop l'école. Lui, frérot, il va passer joueur pro dans pas longtemps. La tête d'homme, il rentre des meilleurs clips que des gens actuels. Mec, il rentre des clips de fou. C'était il y a un an, dites-vous ça. Et il a 10 ans. La tête d'homme, il est trop fort. Franchement, même le montage, il est propre. Mais il rentre des clips de fou. La tête d'homme, je peux pas savoir. J'arrive pas à me dire dans ma tête, il a 10 ans. Moi, pour moi, c'est un joueur pro qui consacre sa vie à Fortnite, qui fait des clips comme ça. Non, lui, c'est juste fini l'école primaire. Il arrive sur son PC, il rend des clips comme ça. Non, moi, je peux pas admettre. La tête d'homme, il est trop fort. Regardez le clip de fou. Mec, tous les clips, c'est des clips de malades mentaux. Gros GG à lui, frérot. Il est incroyablement fort. J'ai jamais vu un enfant de 11 ans aussi fort dans toute ma vie, les gars. J'ai déjà joué avec des enfants et tout, de 6 ans même. Mais de 11 ans qui avait ce niveau-là, jamais vu, les gars. Franchement, Team F8, ils ont un joueur de fou. Franchement, les gars, je sais pas si on va trouver un meilleur joueur que lui. Pour moi, c'est lui le meilleur. Bah, allez, on passe directement au prochain. Ok, les gars, on est directement parti au prochain. Lui, c'est un enfant de 10 ans, je crois, lui aussi. Et il a des clips de fou. Et en plus, c'est cette saison. C'est-à-dire que là, actuellement, il a 10 ans. Regardez le clip qu'il met. La dinguerie, frérot. Lui, non, vas-y, je crois que c'est lui le premier. La tête d'homme, il est trop fort. Non, vraiment, il a des clips de fou. En plus, il a des clips actuels. Mais après, l'autre, il était vraiment fort. Mais ça date d'il y a un an. Ça se trouve, il est encore meilleur que lui. Oh, mais les clips de malade. La tête d'homme. Ça, c'est les... le genre de highlight que je peux regarder pendant 10 ans. Les clips, ils sont trop fluides. Ils sont trop smooth. Regarde les edits. Tac. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je vous jure que les edits comme ça, triple edit, moins 200 et tout, c'est tellement magnifique. Je peux regarder ça pendant des heures, c'est trop satisfaisant. Surtout qu'il y a zéro bug, c'est tout fluide. Il y a, ça se voit, il a zéro de ping et il a des sensibilités de fou. De toute façon, les meilleurs joueurs du monde, les gars, ils ont tous des sensibilités de fou. T'es obligé de gérer ta sensibilité à 100 000% si tu veux être fort sur Fortnite. Lui, il a 10 ans, il a déjà trouvé toutes ses sensibilités. Il rentre des clips que même des joueurs pro, ils rentrent même pas. Il a 8000 points en arène, mais ils sont vraiment trop forts. La tête d'homme, j'ai envie de jouer avec un enfant de 10 ans maintenant. J'ai plus envie de faire de l'arène avec mes potes ou trucs comme ça. Je vais jouer que avec des enfants de 10 ans. C'est eux qui vont monter mes points en arène quand je fais des lives. C'est dingue. Mais les gars, il y a vraiment des clips de fou. Il arrache tous les ennemis. Tous les mecs qui sont devant lui au lobby. Gros, ils ont même pas besoin de lui mettre une balle. Il est déjà mort. Ils ont même pas le temps de tirer. Regardez, j'ai jamais vu un mec depuis le début du highlight qui mettait une balle. J'ai pas vu un mec qui mettait une balle depuis le début du highlight. Oh, le clip. Oh, le clip pour le top 1. Ouh, ça va être beau. 18 kills en solo arène. Ouh là 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 là. Non, je peux pas admettre que c'est un enfant de 10 ans. La tête d'homme, les gars, j'ai jamais vu un enfant de 10 ans aussi fort dans toute ma vie. C'est vraiment lui le meilleur, les gars.